Bonjour, bonjour. Comment vous allez? J'ai fait l'erreur de ne pas mettre mon truc sur sonnerie. Je vibre, donc les sonneries vont beaucoup. Je sais que quand vous restez sans que je vous parle, vous êtes dérangé. J'ai bien dormi, j'ai bien dormi. Je suis pas inquiet, je suis sous le soleil frappe sur moi. Ok. Bon, j'ai un message rapide que je vais donner à quelques personnes ce matin. Depuis que vous êtes né, vous savez que vous savez qu'il y a quelque chose dans votre. Vous savez que la souffrance que vous avez connue depuis que vous êtes né, vous n'êtes pas censé connaître ça. Et votre famille a tellement été dans la souffrance qu'on vous a fait croire que c'est normal. Depuis que tu es petit, tu restes comme ça là souvent. Tu sens que tu aimes la voiture. Il y a des voitures que tu aimes. Il y a des endroits que quand tu pars là-bas, tu es à l'aise. Il y a des endroits luxueux que quand tu arrives là-bas, tu sens que non, je suis fait pour être ici. Maintenant, ta famille, ton obstacle premier, ce sera ta famille. Ouais, comment il chante différemment, non, ce n'est pas Anatole. Vous pouvez être né dans une famille, mais vous êtes l'élu de la famille. Vous voyez, le coq ne chantait pas depuis que je suis ici. Et voilà que je commence à parler, j'entends. Non, Anatole ne fait pas la même chose. Bon, Anatole fait la même chose. Oh. Anatole a contaminé le coccyx. Bonjour, Thérèse Kenyé. Bonjour. Je vous assure que le coccyx n'a pas chanté depuis le matin. Le voilà qui commence à chanter. Ne me distrais plus. Tu chantes pourquoi? Ok. Je pense qu'il est plus insolent qu'Anatole. Bon. Je dis ce que j'ai à dire. On continue seulement. Je fais semblant de ne pas écouter. Tu sais que tu es l'élu de ta famille. Donc, il y a même les fois où tu partais souvent chez les familles éloignées qui avaient beaucoup d'argent. Tu arrives là-bas. Tu vois, c'est luxueux. Quelque chose dans ton cœur reconnaît que tu es censé avoir l'argent. Mais les enfants de ta mère ou bien les enfants de ta grand-mère sont pauvres.
Oui, je vais faire souvent les directs avec les coccyx là. Et tu restes. Tu te dis que je ne suis pas censée être bloquée comme ça. Parce qu'il y a les blocages qu'on met sur. On met sur toute une famille. Donc, tous tes oncles, toutes tes tantes, personne ne se marie. Toi-même, tu nais, tous tes cousins, toutes tes cousines, toi-même, tes frères, tes soeurs, personne ne se marie. Personne n'avance. Ce sont les blocages familiaux. Maintenant, pour sortir de là, viens parler, viens. Quand tu vas commencer, ça va d'abord commencer par une image dans ton esprit. Je vais parler comme ça là. Donc, quand tu regardes mes vidéos, tu sais que ce que la femme s'est dit là, c'est ça. J'ai toujours ça dans moi. Je ne vais pas vous mentir. C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi à Tonga. Vous savez que j'ai grandi à Tonga. Chaque fois que je partais chez un oncle riche ou bien un oncle éloigné ou bien quelqu'un de la famille éloignée comme ça là, qui est riche, je savais. Après, je rentre dans notre famille ou tout comme ça là. Bon, la maison était en terre battue, hein, donc et il y avait une certaine prédisposition, même dans notre langage, qu'on ne va jamais avancer. Mais au fond de moi, parfois je regardais les étoiles comme ça, je savais que ma passe sera différente. Je savais que mon cas sera différent. Quand je suis partie en Europe, parce que Dieu a ouvert mon étoile, je suis... Et qui est... C'est comment? On t'a envoyé. Quand je suis arrivée en Europe, j'étais la première de ma famille à partir. Dans notre génération, les petits-fils. Je suis arrivée. Il faut lui donner son destin. Hein? Miracle Nation, tu n'es pas gentil. La casserole. Hein? Il fuit. Pardon, partagez ma vidéo. Il va se cacher là-bas maintenant pour faire. Pourquoi on le cogne pas? Quand je suis arrivé en Europe, ce qu'ils ont fait sur le tour là, c'est que ils m'ont bloqué. Je suis arrivé en Europe, j'ai fait 13 ans. J'ai lu l'heure. Je suis resté 7 ans de ces 13 ans là sans papier. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Je reste. Bonjour la reine de Chou. En 2018, je me suis mariée. J'ai fait 4 mois de mariage. Avant de me faire ce que je fais, c'est là. Quand tu regardais ma vie, mais chaque fois que tu dis l'argent, il va acheter le terrain. L'argent ne va partir que bien. J'ai dit que mais c'est quoi ça? Je ne sais pas si le coq se lave avec le sel. Je ne pense pas qu'il se lave avec le sel. J'espère que vous m'écoutez maintenant. Tu veux payer ta dîme, voilà le numéro de téléphone, paye avec ça, pardon. 680-711-0701. Il y a le PayPal sur ce direct, tu déroules le direct seulement. Laura, tu as bien dit le stage du WA. Tu vas WA jusqu'à ta part va venir. Maintenant, je veux que vous compreniez que dans le WA, là, c'est un peu comme si on te teste. Que est-ce que la fille s'y croit vraiment qu'elle est la personne qui va faire qu'on connaisse sa famille? Et quand tu restes comme ça là, tu dis que j'ai le tapioca pour manger pendant 2 jours. Mais je sais que je pars quelque part. Il y a une conviction dans toi là. Vous comprenez non? Quand le mariage s'est cassé, parce qu'il y a les gens comme le jour de mon mariage, ils sont venus pour gâter. Les gens de ma famille. Quand on est là, on fait la dot, ils viennent gâter. C'est là que je vous ai dit que croyez aux actions des gens, ne croyez pas aux paroles des gens. Croyez aux actions. C'est à partir de là que j'ai compris que vrai, j'ai les ennemis qui viennent de là où je dormais.
Voilà. Une fois que j'avais checké la case là, jusqu'à dire ok, ça veut dire que maintenant je suis celle dans mon film. Parce que ma mère était morte. Donc maintenant je suis Jackie Chan, je suis Chuck Norris de mon film tout seul. Voilà. J'ai maintenant dû. Je me suis isolée. Comme vous voyez là, j'ai développé un mental que. Un mental. Je ne me classe pas dans la même classe de ma famille. Je suis désolé, je leur dis ça tout le temps. Si vous voulez, vous m'enlevez de votre, je m'en fous. Parce que parfois les familles ont une façon de parler. Ah, tu sais, non, on ne fait pas le jazzien. Ah, est-ce que ça va même. Non. Oh mon Dieu, on dit Mokotenio. Je ne sais pas si ça. Mokotenio. Maintenant, il y a aussi un truc dans les familles qui sont bloquées. C'est l'effet des crabes. Crabes. Ils ne t'aident pas à monter. Quand ils voient que tu veux monter, ils vont venir. Parce que les gens connaissent que si c'est quelqu'un de dehors qui veut me parler, tu ne peux même pas. Toi, sur Facebook, là, tes calculs. Que tu es qui? Que tu sois d'où? Non, waouh. Que tu sois d'où? Maintenant, ils vont passer par les gens de ta famille. Que wow, tu sais, il faut faire attention. Hein. Que wow, on m'a dit que l'autre jour, ne me checkez plus. Il est hier, non. Là où vous avez peur, moi, je n'ai pas peur. À un moment, chacun doit affronter son destin. Chacun doit affronter son destin. Tu t'es cassé, tu es parti à Dubaï, non? Ils connaissent des choses qui peuvent t'aider. Écoutez, les gens de vos familles partent travailler sur leurs enfants en cachette. Comment c'est que ta mère est morte depuis là? Personne ne te montre quelque chose à faire. Comme tu es tombé sur la page, là, je te montre les choses que tu commences à faire. Ils vont commencer à sentir que, je vois que tu postes déjà les photos. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre tes photos, il ne faut pas qu'on te voie. Je dis que quitter, vous n'avez pas encore vu. Vous n'êtes pas encore né. Vous n'êtes pas encore né. Il y a les moments que vous devez parler. Ho, ha. Ho, ha. Ho, ha. Ils partent travailler sur leurs gens en cachette. Je dis que ton fils de 5 ans, il se lave au sel tous les matins. Même quand tu oublies, il te rappelle. Il appelle ça l'eau de Dieu. Voilà. Voilà même vos enfants qui confirment le code. Maintenant, tu commences à écouter. Quand je parle, ça résonne avec toi. Il y a quelque chose en toi qui te dit que... Il y a quoi, Nanak? Que ça, c'est vrai. C'est ce que tu cherchais depuis. Il y a des choses que tu vas commencer à faire. Certains de ta famille vont dire que pourquoi tu pas fais le salaka? Pourquoi tu te laves? Les gens là partaient se laver en cachette. Ils partaient se laver en cachette. Ils ne te disaient pas. Mais le truc, c'est que vous êtes en tant que choisi. Ils se sont lavés en cachette n'importe comment. Ils partaient se laver, c'est à toi qu'on a le visa. Je viens vous parler aujourd'hui parce que je vous donne l'avertissement. Vous allez faire une bataille de pensée maintenant. C'est moi qui t'ai élevé, non? Tu as grandi dans ma maison. Tu as quitté chez moi, tu avais 13 ans. Hein? C'est moi qui t'ai... Tu as vu tes règles devant moi. Hein? On va vouloir te faire le... Wow. C'est moi qui t'ai montré comment on met les garnitures sur toi, non? Et quand vos dons vont commencer, certains vont dire... Je savais que tu avais ces dons-là. Je savais. Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Tu savais que je suis choisi. Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Mais comme on dit, Dieu n'abandonne pas les orphelins. Il va te mettre sur la route de quelqu'un comme moi. Tu vas écouter, tu vas dire que yay, c'est ça que j'attendais. Et quand tu vas écouter, tu vas partir faire le tout. Tu vas te laver comme ça, là, 100 000. J'ai reçu une femme hier quand je pousse son lavage. Elle me dit que elle est serveuse dans un restaurant des Libanais. Là. Elle ne manque jamais 25 000 par jour de pourboire. L'autre jour, un Égyptien est venu comme ça. Là.
il a regardé ça là, son front lui plaît. Elle avait commencé à se laver le sel, elle avait le sel depuis 7 jours. Il a porté 100 000, il lui a donné. 100 000 francs. Une serveuse. Vous savez que son salaire mensuel, ce n'est pas 100 000, non. Il a donné. Vos étoiles, Chandara Bakasa. Elle dit que c'est les 100 000 là comme ça qu'elle porte. Moi, voilà, il vient faire mon lavage, acheter mes produits. Je vous ai dit que si vous m'écoutez, vous n'avez pas l'argent. Ne vous cassez pas, lavez-vous le sel. Maintenant, vos ancêtres, là, ils sont là pour vous guider. Quand elle parle comme ça, ce n'est pas moi qui parle. Il y a les choses qui vous les instructions qu'ils sont en train de vous donner. Pour le mois de février, si je vais encore vous donner les instructions, chacun d'entre vous doit faire le salaka sur sa tête. Je vous expliquerai ce que le salaka. Donc, abonnez-vous à ma page YouTube. Je vous ai dit ça. C'est le même nom sur YouTube. Je vais faire les couteaux vidéos. Je vais vous montrer les petits rituels que vous devez faire. Maintenant, quand les gens là vont venir te parler, rappelle-toi des passages, nombre 23, verset 23. Voilà, c'est moi qui ai élevé ton père. Quand on me dit, c'est Eri, c'est moi. Eri. Oh, pardon, quittez. Écoutez-moi bien. Ils vont venir... Oui, le sel de cuisine. Quand ils vont parler, mentalement, vous devez être prêt. Ce ne sont pas eux qui vous ont élevé là où vous êtes. Parce que si c'était le cas, c'est que même leurs propres enfants, ils les mettraient même plus loin que vous. Donc, ne dites pas que vos ancêtres sont ouf. Quand je vous parle comme ça, je vous dis les choses que je vous dis en leur nom. Et quand tu commences à dire qu'il est où, ils sont où, ils sont où, c'est comme ça que vous les éloignez encore. Voilà, le mental est forgé pour le combat. Voilà, tu te demandes où tu puises la force. Non, ta force vient de tes ancêtres. Il y a trop de personnes derrière vous. Il y a trop de... Vous n'êtes pas seul. Parfois, quand quelqu'un me dit, oh, tu sais, ne fais pas ça. Oh, les jaloux. J'ai dit que, ouais, Seigneur. Si les jaloux devaient me tuer, c'est que depuis 13 ans, ils m'ont tué. Depuis 15 ans, il y a ça, 15 ans que j'ai souffert. J'ai monté, descendu, j'ai confié là. Ceux qui m'ont tué. Sinon, rien ne peut te faire. Ça veut dire que tu es intouchable. Nombre 23, verset 23 dit, on ne peut pas maudire Jocelyne. Mettez votre nom sur ça. Aucun enchantement ne peut marcher contre toi. Tu te mets comme ça, quelqu'un dit que, wow, je vais te tuer. Tu dis, mon frère, tu n'es pas encore né. Parce que la fille, elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Ils ne peuvent rien contre vous. Ils ne peuvent rien. Croyez-vous-même. Croyez. Parce qu'ils vont venir pour vous atteindre. Ah, tu sais, moi, je te dis ça parce qu'ils t'aiment seulement. Hein. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce qu'à un moment, votre succès sera trop flagrant. Ma chérie, si tu achètes la voiture ou les voitures... N'est-ce pas, on va voir. Quand tu vas conduire la voiture, est-ce que tu vas te cacher? Hé, mamie. N'est pas quand tu vas conduire, on va voir. Tu vas passer, on va te voir dans la voiture. N'est-ce pas? Ne les fuyez plus. Ne les fuyez plus. Ne les fuyez plus. Ne les fuyez plus. Vous êtes au stade où votre truc, ça, on ne peut plus cacher. On ne va plus cacher. On ne peut plus. Tu comprends nos maris. On ne peut plus. Il y a une autre mère, elle dit qu'elle commence à se laver au sel en attendant notre consultation. Quelqu'un vient dans le rêve et lui dit que tout ce que tu fais là, ça ne va pas marcher. Elle m'appelle, elle veut paniquer. Je lui dis que ma chérie, si la personne qui te parlait dans le rêve là pouvait te faire quelque chose, c'est que tu es tombé, tu es morte. Mais si tu as envie, elle vient seulement, elle fait la propagande, elle veut t'effrayer. Vous me comprenez, non?
tes habits vont changer. Quand on a sorti Joseph de la prison dans le psaume 105, on l'a rasé. On a enlevé les chaînes sur lui. Lisez le psaume 105 à partir du verset 19. On a enlevé les chaînes, on a mis les habits sur lui, de nouveaux habits. C'est ce qui est en train de vous arriver. Ouais, les baignants, les bonnes. Ouais, écoutez. J'ai dit à ma fille l'autre jour que je vais peindre, je vais mettre coloré, je crois, je vais teinter ma voiture, c'est peindre ma voiture, une couleur terrible là. Elle dit que non, non. Je dis que ma chérie, je m'en fous. Un moment, ton succès ne sera, tu ne pourras plus cacher. Ils vont venir vous l'attaquer maintenant. Et il faut souvent voir quand vous achetez quelque chose de nouveau, voyez un peu leur réaction. Voyez un peu leur réaction. Ah, tu as acheté une nouvelle chaussure. Tu as acheté 5 sacs Louis Vuitton. Ah oui, on te dit que si tu l'énerves, tu ne vas pas avoir l'année. La nouvelle année. Un jour, tu vas te lever comme ça. Là, Dieu va te dire, va acheter. Que tu sais que, je sais que tu aimes le sac là. Va acheter. Tu dis que ouais, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, j'achète le sac à 1 000 euros. Ouais, ma chérie, lève-toi, tu peux acheter. Va acheter le sac là. Tu viens, tu mets à la maison comme bien. Tu vas avoir 5 000 euros qui vont entrer dans ton compte le jour là. Ils vont manger le dent. Ils vont boire le salif. Je vous envoie là, le courage. Je vous envoie la rage. La rage de vaincre. Vous comprenez, non? Je suis une lionne. Bonjour le notable Jean-Marie. Comment tu vas? Le roi Moukam. Ils viennent vous visiter. Ils entrent dans vos panderies. Ne permettez plus à n'importe qui d'entrer dans vos panderies. Quand tu sors, tu fermes ta chambre, la clé. Tu mets la clé dans ton sac, tu pars avec. Oui. Tu pars avec. Voilà. C'était votre petit café matinal. Vous avez compris, non? Ceux qui sont à Bafoussam, vous pouvez m'appeler, je peux vous voir. Jusqu'à 14h à Bafoussam et puis je rentre. Comment je suis le seul à construire. Tu vois. Personne n'a jamais pu le faire. Laissez. Vous n'allez pas acheter une voiture, vous allez acheter 5 voitures. Vous n'allez pas construire une maison, vous allez lancer 5 chantiers en même temps. L'un gars va monter. Ouais, ok. Vous savez que c'est la peur, non? La peur. Ils veulent lancer la peur comme ça pour que même le petit chantier que tu as commencé là, tu laisses. Ma chérie, tu vas lancer 5 chantiers en même temps. Tu vas faire le jeu, tu vas faire du jamais vu. On dit que yeah, la fille, tu crois que quoi? Ouais. Yeah, yeah. Pour les gens qui sont visités beaucoup la nuit, là, il y a les. J'ai des écorces comme ça, là. Des écorces d'arbres. Tu mets ça dans ta chambre, dans les coins de ta chambre. Tu as compris, non? Voilà. Donc, quand vous commandez vos produits, demandez. Il y a les produits, les huiles contre les couches de nuit. Il y a les petites écorces que vous mettez à la maison, ça protège la maison. Voilà. Et passer seulement, hein, la vidéo, si je passais seulement. Voilà, 600 millions de bénéfices. Et j'aime les chiffres comme ça, j'aime les gros chiffres. Moi, j'aime ça. J'aime les gros chiffres, j'aime les gros montants, les grosses voitures. Ouais, pardon, vous savez quoi? Bonjour, bonjour. Bonjour Anne. Oh Seigneur. Aïe. Le voisin m'avait dit que tu as les reins solides. Non, ils ne savent pas qui est derrière toi.
C'est quoi comme écorce, mamie? Je sais qu'elle va te dire que c'est quoi. C'est l'écorce qui protège. C'est tout ce qu'elle peut te dire. Ok. Voilà. Bon. Et passez seulement. Je sais que quand il passe comme ça, ça vous plaît. Il vient sur la vidéo comme ça, ça vous plaît. Vous me voyez, vous êtes content. Voilà. Partagez ma vidéo, pardon. Ils vont voir vos immeubles comme ça là. Ils vont dire que. Donc, garder de ça là. Mouf. Ils vont lire leur. Ils vont lire leur. Chandra Bakassa. Tu achètes la voiture. La nuit, tu rêves que tu achètes encore une autre voiture. Tu te lèves comme ça. Tu dis que. Il faut que j'achète encore une autre voiture. Écoutez. Alors que quand tu as acheté une voiture, on a dit hé hé, tu as tué jusqu'à. Tu dis, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Si vous voyez ce que j'ai dans ma tête là. Mouf. Vous allez partir vous pendre une fois parce que si quand vous allez voir tout ça, vous allez partir, vous allez avoir l'arrêt cardiaque. Vous allez avoir l'arrêt cardiaque. Mon maman passe là. Ça ne vient pas de Dieu, c'est comment il ne sait même pas. Tout ce que vous mettez pour votre banque pour faire ça va marcher. Je prophétise sur vous aujourd'hui. J'ouvre vos business là. Les clients vont entrer chez vous aujourd'hui jusqu'à le club des grosses voitures, Ziza. J'aime ça. Hey. Un homme va éviter de parler ou de draguer comme ça là. Mouf, il est d'abord bien apprêté. Il dit, tu vois quand on drague une fille, on dit que je vais te payer le dépôt. Elle dit non, je t'envoie mon chauffeur, monsieur. Je t'envoie mon chauffeur. Bienvenue dans votre saison d'insolence. Toute l'insolence que vous avez toujours voulu dans votre village, je vous donne ça aujourd'hui. Le courage, le cœur du lion. Il met ça dans vous aujourd'hui. Le cœur du lion. Vous allez avoir les flashs, vous allez vous voir dans les cahiers aujourd'hui là. Tu dis que hey, c'est quoi ça? Ma chérie, ce n'est pas le rêve. Dieu te montre ce qui t'attend. Dieu te montre ce qui t'attend. Everything you put your hand go work. Aïe. Jesus is Lord. Tu restes comme ça, pam pam, 50 000 entre. Pam pam, 25 000 entre. 100 000 par jour. 100 000 par jour. En un mois, ça fait combien? Alors que le mois passé, tu ne faisais même pas 5 000 francs en une semaine. Laissez. Laissez. Bon, tu veux que votre foi soit solide. Même à minuit, on te réveille comme ça. Là, tu te lèves, tu dis, yé, l'argent. On dit que yé, la fille, c'est quoi avec toi? Voilà. Recevez. Je déclare l'augmentation sur vos business aujourd'hui. Je déclare que de plus en plus, vous faites moins d'efforts et vous gagnez plus d'argent. Je déclare aussi que chez vos fournisseurs, là où avant, on ne pouvait pas vous donner même le crédit, même d'un jour. Maintenant, on vous donne même le crédit sur 3 mois. Il déclare que peut-être on t'avait donné, on t'avait alloué 1 million. Maintenant, il déclare que ça monte à 10 millions. Jusqu'à le fournisseur te dit que tu sais quoi, prends même pour 10 millions, tu fais même 2 mois avant de me payer. Vends avant de me payer. Et quand tu prends tout, tu peux vendre à 2 semaines, c'est fini. Je mets l'augmentation dans votre maison aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Là, ça, c'est la saison pour lancer le business. Si quelqu'un d'entre vous ne lance pas son business en février, si tu quittes sur ma page. Tu quittes sur ma page. On va souvent faire les directs comme ça. Là. Chacun poste son business. Il poste ce qu'il fait là-bas. Écris dans le message. Et celui qui veut, il paye. Il paye, il parle ici. Là. Vous savez que moi, je fais ma part du truc avec l'argent. Voilà. Tout le monde doit avoir le business. Tu mets ta ville. Tu mets ce que tu fais. Tout le monde doit avoir le business. Tout le monde. Voilà. Recevez vos clients à travers le monde. L'argent va venir vers toi en devise. Il y en a parmi vous que votre onction est planétaire. C'est pour ça que tu es au Cameroun, tu attires les Français, les Américains, les Égyptiens, les Marocains. Tu es là dans ton petit endroit comme ça. C'est que les Blancs qui te regardent. Ma chérie, tu as une onction interplanétaire. L'argent est censé venir vers toi en devise. On frappe dans ta main $500, $500, €. Alors que on te trouve que dans ta petite ville là-bas. L'onction n'a pas de lieu. L'onction n'a pas de lieu. Et j'active vos onctions aujourd'hui au nom de Jésus. Et j'active vos onctions au nom de Jésus. Vous qui êtes dans les sites de rencontres, là, que vous avez commencé à connecter, vous connecter à certains blancs. Mamie, ça c'est ta saison. Il va venir le mois s'il a t'épouser. Je prophétise sur toi. Il va venir le mois s'il t'épouser. Il va faire tous tes papiers au nom de Jésus. Et quand ils viennent, moi-même là, vous savez que moi j'aime les choses comme ça. Non? J'ai une dame qui est venue hier. Dès qu'elle a atterri au Cameroun, elle a atterri à 13h. À 14h30, elle était chez moi. Elle lui dit que vous devez devenir tellement sage que quand ton blanc vient pour t'épouser, mamie, écoute,
tu vas louer la mère, tu vas louer le père, tu vas louer la famille. Les gens de ta famille que tu sais qu'ils ne sont pas bien là, ne les invite pas. Vous comprenez, non? Ne commencez pas vos publicités maintenant, ça ne sert à rien. Parce que quand je vais demander de faire, vous allez même mettre vos numéros de téléphone et tout. Ne faites pas l'illégalité. Je n'aime pas l'illégalité. Vous comprenez, non? Le moment venu, vous allez mettre tout. Et je vais lire, je vais dire que telle personne fait ça à tel endroit. Pas besoin de dire que vente des ceci à tel endroit. J'aime qu'on fait les trucs propres, clairs. Bon, je continue. Tu vas aller pour te marier avec ton blanc. Tu vas louer la mère, tu vas louer le père. Donc, quand vous finissez le mariage, là, tu donnes l'argent que merci d'avoir été ma mère pour le mariage. Merci d'avoir été mon père pour le mariage. Merci d'avoir fait mes tantes et mes cousins. Ils viennent au mariage, ils vont. Oui, li, 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 li. Après, tu es au blanc que j'entre dans notre pays. Parce que les gens sont méchants. Parce que les gens sont méchants. Mon fou, je suis une actrice. Laissez. Je vais faire mon show. Je vais faire mon show télévisé. Je vais mettre comme parents en location. 500 000 francs à la cérémonie. On vous donne la famille. Non, j'ai des inspirations souvent. Que reste qu'on s'est dit que Jocelyne, tu es forte. Ouais, Seigneur. Yeah. On fait ce qu'il faut faire. On fait ce qu'il faut faire. Tous les moyens sont bons. Parce que souvent, l'homme vient comme ça, il dit qu'il veut voir ta famille parce qu'il croit que tu le trompes. Il ne sait pas quand tu ne montres pas la famille comme ça, tu es en train de le protéger. Tu vois qu'il rentre une main après un mois. Yeah, Seigneur. Soyez sage. Voilà, t'as des rires. Ouais, Seigneur. Aïe. Voilà, vous vous marier sans vos parents. Voilà. Parfois, c'est quand tu amènes ton gars à la maison chez les parents là que les problèmes commencent. Parce qu'il y avait une cousine. Il y avait une cousine là comme ça là. Et ton gars rentre, il dit que ta cousine là, ta soeur là, tu dis que oh non, c'est la famille. C'est la même famille, chérie. N'exagère pas, bébé. Mouf, tu lis là. On prend le numéro de ton gars, bah, derrière là. On m'a fait des messages bizarres à ton bébé là-haut. Ma chérie. Ah. Démangeaison. Où on trouvait l'huile d'olive bénie? Ok. Faut acheter l'huile d'olive bénie ici là-dedans. Là. Tu te rends avec. J'ai les huiles d'olive que j'ai bénies. Il y a une maman là hier, elle me disait que son petit-fils avait l'eczéma, un peu comme ça. Et elle a honte avec ça. C'est parti. Elle me dit que mais lui là ça marche. J'ai dit que écoutez, si vous doutez de mon notion, moi je ne doute pas de mon notion. Je ne doute pas de mon notion. Je vous donne la sagesse. Devenez sage. Dès que tu tombes enceinte comme ça là, tu disparais. Tu pars dans un pays lointain là. Tu fais même un an. On dirait que tu étais parti à Dubaï pendant un an. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va. On ne voulait pas lui donner la liste du traditionnel. Maman, laisse. C'est quand tu vas venir pour ton mariage que tu vas voir les gens qui t'aiment. Dans le vrai jour, là, tu vas les voir. Mais bon, vous êtes tombé une fois, ça va plus se répéter. Hein. Vous êtes devenu sage, c'est pour ça que vous êtes sur ma page. Tous les moyens sont bons pour réussir à être heureux. Tous les moyens sont bons pour être heureux. Ma chérie, coûte que coûte. Coûte que coûte. Tu es devenu sage. Voilà. Bon. Bonne journée. Je sais qu'elle peut rester ici avec vous même une journée. Vous serez toujours là. Vous serez toujours là. Ya. Yeah. Bye bye. Allez travailler. Il vous faut l'argent pour payer mes dîmes. Vous avez compris, non? Père, là, ça, c'est la prospérité qui te guette. Beaucoup d'abondance. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.